Salut à tous, c'est FX, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu différente de d'habitude. Ce coup-ci ça va être un peu plus de la vidéo IRL. Voilà, c'était il y a un ou deux jours, j'étais en train de réfléchir qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mes vidéos, notamment celle que je compte faire pour la CPF qui arrivera je ne sais pas quand. Et je me suis dit, tiens, ça serait épique si je reproduisais la chorégraphie d'un Z-Move à chaque fois que j'en faisais un. Bon, ça me paraît assez inapproprié dans des vidéos comme celle de la CPF, mais je me suis dit, c'est pas con à faire en vidéo ça. Essayer de refaire les danses des Z-Move. Voilà, donc j'ai eu l'idée de faire un petit défi comme ça que je vais vous faire tout de suite. Donc voilà, je les ai déjà un petit peu regardés. J'ai essayé de les faire une fois, mais le but du défi, ça va être d'essayer de tous les faire, les chorégraphies des Z-Move. Donc je vais faire tous les types, hein. Je vais pas faire les Z-Move spéciales, je vais juste faire tous les types. Et voilà, en une seule prise, donc bien sûr il n'y aura pas de cut, enfin vous, il y aura un petit peu de montage, mais ça sera tout en une seule prise, voilà, pour que je ne réussisse pas tout, hein. De toute façon je vais jamais tous les réussir, il y en a certaines qui sont beaucoup trop dures, Et voilà, donc voilà, lâchez le pouce bleu pour me soutenir dans ce cassage de gueule prévisible. Et voilà, normalement, il y a moyen de se marrer, il y a moyen que ça soit plutôt marrant. Allez, on lance tout de suite la vidéo. Moi, je vais me mettre une vidéo qui va me montrer toutes les chorégraphies des Z-Move, ou si vous allez la voir. Et j'ai envie de vous dire, allez, on est parti. Et on va essayer de faire de notre mieux, de ne pas être trop ridicule. Allez, let's go. Oh,
Ça peut être sympa, moi ça m'intéresse de savoir quel est celui que j'ai le mieux fait. Voir aussi si vous êtes d'accord sûrement sur le Z-Move de type poison qui est quand même assez chaud. Oui, on peut le dire. Et voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Alors, j'ai eu une idée aussi, parce que j'ai des idées parfois aussi. Et je me suis dit, ça serait sympa de faire danser aussi les autres youtubeurs, de faire un petit peu péter, de faire partager aux frérots. Et je me suis dit qu'on pouvait faire ça sous forme d'un challenge, d'un tag, d'un défi, voilà, vous l'appelez comme vous voulez, vous pourriez donner un nom même. On fait un peu du... avec les Z-Move, on fait du Just Dance, donc on va l'appeler Just Z-Move, voilà, ça peut être sympa en plus, ouais, le truc qui te vient sur le cou et qui est pas dégueulasse, donc on pourrait appeler ça Just Z-Move, et je vais donc taguer 3 personnes qui vont essayer à leur tour de danser et de faire la chorégraphie des Z-Move à leur tour, donc je pense que je vais faire péter auprès des frérots. Donc voilà, Sycomore et Cisayoxy, je vous nomine. Et en troisième nomination, je pensais à Galius, voilà. Parce que c'est aussi un frérot, Galius. Et je me suis dit, Galius, c'est un mec, il est chaud. Et ce genre de truc marrant, je suis sûr qu'il est capable de le faire. Il sera en tous les cas très chaud pour vous le faire. Donc voilà, je nomine Sico, Cisa et Galius pour faire ce Just Z-Move Challenge. Voilà. Toi qui voudra, et surtout qui a un petit peu l'espace et le matos. Bon, c'est pas un matos extraordinaire, non plus, ça me manque, juste un peu d'espace. Voilà, j'espère qu'en tous les cas, vous aurez apprécié cette petite vidéo inhabituelle. C'était sympa, moi j'ai trouvé. Voilà, bah vous lâchez une nouvelle fois le pouce bleu si vous aussi vous avez trouvé que c'était sympa. Et moi j'ai envie de vous dire, portez-vous bien et à la prochaine, c'était Kix, bye tout le monde.